On commence ce blog sur des têtes vraiment. Du coup, salut tout le monde, c'est Aléana et bienvenue sur ma chaîne vlog. Et ouais, il y a encore du linge à étendre. Et là, je suis en train de laisser poser donc un soin sur mes cheveux parce que bah ils en avaient besoin. Je suis décolorée à blanc, ça c'est bon. Et pour les nourrir et tout ça, parce que après la coloration et la décoloration, j'ai fait ensuite un shampoing hydratant. Et non, j'ai d'abord fait un shampoing bleu donc de chez Marianilla et ensuite j'ai fait un shampoing hydratant parce que le shampoing bleu assèche aussi énormément. Donc là, je suis en train de laisser poser, ça doit faire 10 minutes, je vais laisser 20 minutes. Parce que ce week-end, je suis de mariage. Donc voilà. Et ce soir, je suis d'event dans un VNB où je vais percer. Donc j'ai plein de choses à préparer. Je vais vous montrer tout ça. Je vous emmène avec moi aujourd'hui. C'est pas cadré, on s'en bat les steaks. Petit clin d'œil à la législation des steaks vegan, bien évidemment. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez avoir la ref. Pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Je mets plein de choses, que ce soit du gothique, du contenu vegan, des outfits, des musiques du jour, plein de trucs. Ou quand je délire, ou quand je suis avec des potes. Ce qui arrive moins rarement parce que je n'avais plus l'ascenseur. Mon immeuble a même fait la une des journaux à cause de ça. Mais voilà, et puis bon, bah mes cheeks ont bien dégonflé. J'ai pas encore posté la vidéo, alors peut-être que si jamais elle sera dans le petit, dans la barre en dessous, dans la barre de description. Donc j'ai commandé les barres pour réduire mes cheeks parce que l'inflammation est finie et tout ça, tout va bien. J'ai encore un petit peu de linge, je peux toucher parce que vu que je sors de la douche, je suis toute propre là. Donc il y a ça, donc ce soir il y a le VNB que je dois faire. Ouais, et ce week-end je suis de mariage, donc il fallait absolument que j'aie les cheveux correctement, même si je n'ai pas atteint le poids que je voulais, parce que j'ai mes règles, c'est génial, je me suis pris 3 kilos dans la gueule. Donc voilà, il faut que je trouve des vêtements qui au final je serai confortable, j'aurai chaud parce que c'est dans le Finistère, donc dans une église dans le Finistère, autant dire qu'on va se les plaire. Et non pas en replay, pour ceux qui ont la ref, vous pouvez le dire en dessous s'il vous plaît ou envoyer un message. Et ouais, donc il faut que je fasse tout ça. Faut que je fasse tout ça. Donc voilà, j'ai décidé de vous prendre avec moi parce que bah, pour l'instant, vu que j'avais mes cheeks, je pouvais pas faire de maquillage pour la cicatrisation. Sinon, j'aurais eu tout autour, tout là, il n'y aurait pas eu de maquillage à l'intérieur de ce cercle. Donc ça aurait servi à rien, sachant que je sais la vidéo que je vais faire, qu'elle est préparée et tout ça. Et c'est. Bah, vous verrez quand elle sortira. Pardon. Mais voilà, bon, je vous laisse pas plus avec cette tête-là. Je vais finir mon café et puis je vais rincer mes cheveux, je vais me coiffer et puis ben, on se retrouve au shop parce que ben, je dois préparer mon vanity et tout ça. Et je pense que je vais laisser les gars porter ce qu'il y a de plus lourd. Ouais, je vais profiter de mon statut de femme.
C'est parti, je viens d'arriver au boulot. Je ne prends pas en voiture. Je ne sais pas, il y a un gars qui me regarde bizarre parce que je pars toute seule. Eh ben, on s'en fout. Wesh, wesh. Dis bonjour. Bonjour. Voilà, c'est fait. Hop, je demande même pas, j'impose. Wouh. Ça va, Rémi Jones? Mais Ziggy, il est tout beau. C'est ça. Ça, c'est pas mal. Un copain! Un copain! Rémi! C'est la bière! C'est la clope! C'est la bière clope! Ready? T'es ready? Non. T'es ready? Dans, moi, je suis ready. Dans 22 minutes. Voilà. Moi, je travaille avec des enfants. Là, ça, ce sont mes enfants. Là. Ici, là, ce sont mes là. Enfants. Okay. Je m'appuie. Ici, ce sont des enfants. Regardez, ce sont des enfants. Allez. Bon, le reptilien, il galère, là. Mais ce sont des enfants. Puis, il y a moi qui est censée être sérieuse au milieu de tout ça. Pire que des enfants. Ça, c'est remis, ça. Ça va pas passer sur YouTube. Ça. Ça là? Non, ça passe pas. Bah, je vois pas pourquoi. Ah bah, c'est une femme, on voit des fesses. C'est une truite saumonée tatouée. Ah, ça non plus, ça passe pas. Oh, quoique, il y a des caches-tétons. T'es obligé de faire des trucs qui sont pas démonétisables. Me montre ça plutôt. Ça, c'est monétisable. Thank you.
Je sais pas si ça fonctionne à travers un écran de YouTube, mais je suis en train de mettre ton QR code automate. Bah écoute, je te le dirai un jour. Du coup, j'essaierai de prendre un photo de mon écran. Mais je pense que oui, oui. Il n'y a pas de raison. J'aurais peut-être dû prendre mon iPad pour regarder YouTube. J'ai hésité à le prendre en plus. C'est pas faux. Pendant 2 secondes, j'ai vu mon reflet, j'ai cru que j'avais un énorme bouton sous la joue, mais non, c'est mon piercing. J'ai un bouton donné sur la joue. Salut tout le monde, on est le lendemain. Non, je me suis pas démaquillée. Oui, je suis une grosse pocra. C'est très rare. Quand je le fais, mais honnêtement, je suis rentrée, il était 3h du mat, parce que j'ai pas pu filmer, donc il y a mon chéri qui m'a fait la surprise de venir et qui a pris 3 photos, donc j'ai des photos. Je vais essayer de récupérer les photos aussi qu'on a fait, parce qu'il y avait un groupe qui jouait en bas de la musique et avec l'équipe du VNB et tout ça, donc je vais essayer de vous avoir ça. Mais franchement, c'était juste trop génial. Chose qui va être bizarre, j'adore travailler sous pression. J'ai par exemple fait des piercings que je faisais au cathéter, que je n'avais encore jamais fait, que je faisais en freehand au cathéter. Et attendez, parce que j'ai le bras qui tremble. Ah, ça c'est ma main. Ce lendemain d'event est catastrophique. Ah, cette droite, la petite baba. La baba. J'adore travailler sous pression et tout. Je suis arrivée, franchement, j'ai porté mes balls. Non, déjà, je suis arrivée au salon. Alors, j'ai pas filmé lorsque j'ai préparé mes affaires au salon, parce qu'au final, je courais à droite, à gauche. J'aurais dû prendre mon téléphone et tout ça. Donc, c'est surtout l'installation, des petits moments sympas avec l'équipe et tout ça avant l'event, quand on se préparait. Et ouais, j'ai porté mes balls et je me suis dit, je vais prendre aucun caté, je vais prendre que des aiguilles et que des tapers. Et tu vas tout faire en freehand. J'ai pris des receveurs, évidemment. Ça reste du freehand, mais au moins comme ça, je suis sûre que je reçois bien et tout. Parce que c'est quand même des débuts. Mais si un jour je fais receveur, mais ça sera quand j'aurai encore plus évolué. Mais. Ouais, j'ai porté mes balls et tout. Il y avait des piercings que j'ai proposés que je n'avais jamais fait en freehand à l'aiguille et au taper. Mais dans ma tête, c'est tellement smooth. Depuis le séminaire, je comprends tellement mieux là où ça pouvait merder et tout ça que... Franchement, j'étais bien. À un moment, j'ai enchaîné les piercings. Il y avait mon collègue qui venait me voir, ouais, il y a des personnes qui attendent, t'en as pour combien de temps et tout, à peu près. Je sais pas, c'est quoi, bah, il y a 3 personnes, il y a ça et tout. 40 minutes, à peu près, 30-40 minutes, parce que j'ai d'autres personnes autre temps. C'était trop bien. J'ai réussi à gérer mon organisation, les gens étaient contents, j'ai réussi mes piercings, ce qui est le plus important. Des piercings, donc j'ai fait des snugs. Que je n'avais jamais fait en freehand à la blade, donc à l'aiguille. Et franchement, smooth. Je crois que Brian, quand il sortira, quand ma vidéo récapitulative sur mon séminaire sortira, vous comprendrez pourquoi. Depuis que j'ai entendu Brian parler, je suis smooth. Avant un piercing, c'est... je ne me moque pas. Brian, en fait, est américain et vient d'Atlanta. Et il a un français très, très correct pour une personne dont ce n'est pas la langue natale. Mais il y a quand même quelques petites
truc et tout. Et puis, il a ce... C'est pas un flegme anglais, mais il a un léger flegme dans sa façon d'être et tout. Et je me rappelle lorsque moi, en fait, il m'a percé, avant, en fait, de préparer et tout, il m'a déjà préparé. Il me disait, tu inspires et tu expires. Voilà. Là, tu vas sortir. D'accord? Ok, c'est bon? Ok, inspire. Souffle. Voilà, tu es percé. Et je l'entends à chaque fois maintenant que je fais le truc. Et en fait, ça devient mon mantra vu que déjà le piercing, c'est ma méditation, méditation active naturelle. Ça me détend. D'entendre en plus la voix de Brian et le rythme qu'il a et tout, ça m'aide justement, bah moi, à me focus encore plus. Donc, j'emmène bah, la personne avec moi et j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Non, mais c'est bien, tu m'as dit inspire, expire, t'as pris ton temps, t'as été douce et tout. » Ah, ah j'étais saucée, franchement, c'est trop génial. Et puis, bah, je voulais me donner le défi parce qu'en fait, en event, le premier event que j'avais fait, c'était, ça s'appelait Bière et Shop. Maintenant, c'est de nouveau le circuit de la bière, simplement parce que c'est sur la ligne droite des Hunaudière, donc le circuit des 24 heures du Mans. Donc circuit de la bière. Et je me rappelle, c'était mon premier event, j'avais quelques mois de piercing dans les mains et je tremblais, mais je sortais l'excuse que j'avais bu trop de café. Bon, il y avait aussi beaucoup de coca et dans le coca il y a de la caféine, mais je tremblais de stress. Je devais refaire un event dans ce même shop et tout, sauf que j'avais pas pu, j'étais en dépression, donc j'étais restée chez moi. Et là, donc, c'était la deuxième fois que je sortais au final du shop, que je devais me prendre de nouveaux repères, faire de nouveaux gestes, de nouvelles positions, parce que j'avais plus d'espace et tout, enfin, me cadrer. Et non, quoi, j'ai pas tremblé une seule fois, j'étais sûre de moi. Et ouais, je suis en train de me soucer, mais c'est parce que c'est tellement rare les moments où je peux me soucer que là, je le fais, je mets la louche, les louches. Et... Ah, c'était trop bien, c'était trop bien. Donc, voilà. Aujourd'hui, je ne vais pas travailler. Nous sommes samedi. Il est quelle heure? 13h36. Je me suis réveillée à 13h. Je n'ai pas mis de réveil. Et clairement, si j'aurais pu aller travailler, mais j'avais pas envie. J'avais envie de dormir, j'avais envie de me reposer. Il faut que je me nettoie la gueule. Et tout ça, non. tranquille aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est cet après-midi que je vais préparer ma valise parce que maintenant que l'event piercing est fini, c'est un week-end chargé. Et bah, direction le Finistère pour le mariage de mon cousin. Et ils peuvent pas fermer leur gueule. Oh, j'en ai ras le cul, putain, on est une génération où les gamins des 3 ans, ils ont un téléphone dans la main, mais ils sont obligés de gueuler. Mais qu'est-ce que c'est le mieux qu'ils aient un téléphone? Bref, je suis en train de partir dans un propre débat avec moi-même. Mais ouais, donc là, maintenant, c'est direction la Bretagne. Je ne reviens que lundi de Bretagne. Et ma tante a préparé pour moi et pour Ben, a demandé au traiteur des repas, des menus vegan. Donc, je suis tellement pressée de vous partager ça parce que un traiteur qui prépare du vegan, je n'ai jamais fait, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais eu l'occasion plutôt. Donc, je suis très contente. Je vais vous montrer ça et j'ai hâte, je vais vous donner tous mes retours. Faut que je me pèse aussi pour que je sache mon poids pour savoir quelle tenue mettre. Parce que j'ai pris du poids. Hello periods. Et voilà. Voilà, voilà. Et il ne faut pas oublier que c'est la Bretagne et qu'il fait frais et que ça va être dans une église. D'ailleurs, j'ai dit en rigolant à ma mère, va peut-être falloir que j'évite le donut, sachant que j'ai toute une gravure de Gustave Doré dans le dos et c'est Lucifer. Et bon, on va dire que j'ai toutes mes croix à l'envers sur le haut. Alors, elle n'existe pas. On me demande souvent si elle existe. Mais non, cette cathédrale n'existe pas.
Donc ça va être un petit peu folklore, c'est comme bah, là j'ai ma croix à l'envers et tout, donc bah, ça va être folklore. Parce que je crois qu'ils sont très croyants et pratiquants, je crois. Du côté, pour qu'ils fassent à l'église, c'est que je sais même pas. Au final, c'est tellement personnel que je m'occupe pas de la religion des gens. Je leur demande pas s'ils sont quelque chose. Mais j'espère que bah, personne, par contre, ne me fera de réflexion ou autre chose. Au pire, pour les croix à l'envers, je dis que c'est la croix de Saint-Pierre parce qu'il ne s'estime pas digne d'être crucifié de la même façon que Jésus. Hein. Ce qui est vrai. Je peux utiliser ça. Par contre, pour Lucifer, dans le dos, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais boire du café parce que... Enfin bref. C'est encore pire. Enfin bref, voilà. C'est tout pour l'event. Maintenant, bah, direction la Bretagne, le mariage. Choisir vêtements, tenues, tout ça. De toute manière, ça sera noir. Étonnant, je ne crois pas. Voilà. Et puis, là, je finis mon café, j'écoute encore un petit peu de musique et ensuite je vais me nettoyer. Je déteste ça, je sentais que je dormais avec du maquillage. C'est une crème teintée, donc ça va, c'était pas un fond de teint, mais pour les yeux, le sourcil, enfin, les sourcils, les cils et les paupières, là, par contre, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien de pas se démaquiller tout court, je reviens là-dessus, hein, parce que c'est dégueulasse, la peau, elle respire pas pendant la nuit, t'as ça et tout, sur la gueule. Mais franchement, quand tu rentres à 3h du mat', que t'as bien carburé, t'as envie que d'une seule chose, c'est de te puter. Donc voilà. Bon, on se retrouve plus tard dans la journée. La différence. Ouais. La différence de prix surtout. Ah bah j'avais du gel douche, mais ils ont du gel douche. Ah ouais. C'est quoi comme gel douche? C'est un gel douche vegan. Et le lit, tout simple. Je ne parle pas le russe ni l'arabe. Ah voilà. Oh, sodium, coco, protéines végétales. Oh, bah, ça a l'air, mais après, est-ce que c'est testé sur les animaux? Ça, j'en sais rien. 14h30. 14h30 en bas de l'hôtel. 14h30 en bas de l'hôtel. Petite chambre. Ah, pas avec comme ça. On fait une inception. La différence. La différence de prix surtout. C'est parti, on va y aller. Il est 31. Il est 31. C'est ma tenue pour le mariage. Change the name.